Non, comment elle est? Aujourd'hui, petit test. Bonjour à tous. Hello guys. Bon, aujourd'hui, petit test du Subaru SST en mode NRV, le bad boy. Hein? Avec les roues Jecto. Voilà, on va l'essayer. Comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai l'upgradé. Voilà, avec le moteur TPPWare en 1648. Servo. SCT, quick run 150 A, on va l'essayer en 4S, puis en 6S. On allume la bestiole. Voilà, 4 tonalités, 4S. Ouais, super. Bon, allez. Allez, c'est parti. Le fil là, il touche. Voilà. Excusez. Voilà, on filme comme ça. Voilà, j'espère que vous avez trouvé une affaire. Regardez ce niveau là, puissant, ça allait rapide. Ah. Allez, c'est parti. C'est bien le moteur TP pour vous. Hein. Bon, là la route Jecto tremble un peu par rapport à les neufs. Le temps il chauffe. Ça, c'est le roue là. Hein. C'est le roue qui fait ça. Hein. Très ça les amis. Hein. Comme je vous ai dit, pour ces roues faites près de 400 grammes. Regardez-moi cette beauté. Ces roues faites près de 400 grammes. Donc il faut un moteur assez puissant pour emmener toute l'enclume parce que là il pèse vraiment lourd. C'est sûr qu'avec un petit 40-74 vous pourrez le faire, mais il va souffrir le petit 40-74. Hein. Quel que soit le nombre de KV, hein. Quel que soit le nombre de KV par rapport à 40-74, il dépassera jamais les 2800 watts. Voilà. À part qu'un peu plus poussé, un 3000 watts, mais c'est rare. Donc, toutes feront 2800 watts en 40-74. Là, c'est un 40-50, c'est-à-dire un 40-82 en TP Power, et il fait le double de watts qu'un 40-74. Comprenez? C'est-à-dire plus de watts, ça veut dire plus de puissance. Il n'y a pas à être savant pour comprendre ça. Vous voyez le décollage qu'il y a. Thank you.
16-48. Hein. Moi, je pense qu'en 6-10, il va faire des wheelies là. J'aime trop ce son. Ça c'est le son des roues et en même temps le son du TP Power. C'est sûr, si vous mettez un moteur classique dedans, vous n'aurez pas ce son. Mais là c'est les roues, c'est vraiment les roues qui font ce bruit là. Tant que le roue prenne la colle, chauffe un peu. Là je suis que en 16 les gars, en 4S hein. Bon, voilà, on fait des petits essais rapides hein. Des petits essais rapides. C'est ça, je le rappelle, l'objectif de ça, il faut qu'il atteigne, est-ce que ce bad boy pourra atteindre les 160 km/h, vous comprenez. Voilà. Voilà, là les roues sont déjà un peu chaudes. Ah ouais, ça pardonne pas. Ici on est à la Réunion. Hein. On est dans le sud, dans l'hémisphère sud, île tropicale. Ici il n'y a pas moins 10, il n'y a pas moins 20, ici il n'y a pas moins 5, il n'y a pas 0 ici. Ici c'est toute l'année, c'est le plus bas que tu peux tomber ici, c'est 18 ou 19. En hiver. Et encore, c'est du 20-22 degrés. Donc là, on peut poser les mains. Tranquille. Regarde si les hexagones n'ont pas bougé. Voilà. On va débrancher ça. J'espère que vous voyez quelque chose. J'espère. Bon, c'est pas ça, bien la fille là. Hop là, mets ta là. Est-ce que ça tu vois moi là. Voilà, voilà. Ouais, les amis. Bon, il y avait un commentaire, il demandait comment j'ai fait pour mettre les hexagones de rouge. Ben, ça vous allez sur AliExpress. Vous tapez hexagone 17.8e. Vous avez plusieurs coloris, vous avez du vert, du bleu, et voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Hein. Voilà, mais tout ce qui dit un 8e, voilà, même vous pouvez mettre un hexagone de Biggie là-dessus, c'est pareil, c'est en 17. Voilà. Les dimensions sont quasiment toutes les mêmes. Après, ça dépend le déport. Voilà, mais comme cette roue a déjà un déport d'un demi, voilà, je suis tranquille. Je suis tranquille par rapport que je peux tourner la chose, vous voyez. Voilà, ils frotteront pas. Voilà. Vous voyez là, ok, super. Bon, on va mettre le 6S en action. Voilà, tout en direct, hein, pas divergé là. Voilà, et est-ce que ce bad boy pourra atteindre les 160? Tout est là la question. Mais il peut frôler les 160 hein, par rapport aux roues. Voilà. Les roues s'ils ballonnent pas, c'est le top. C'est le top pour pas qu'il comment qu'il ballonne. Vous comprenez hein. Voilà, un petit essai tranquille. Je vais mettre les mains. Et là en 6S sera plus méchant en 6S. Hein. Ça va accélérer très 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 fort je pense. Hein. Vous voyez toujours? Est-ce que vous voyez toujours?
Hop là. Voilà. On a décalé. Voilà. Voilà. Donc, là, je vais vous remettre en haut. Excusez. Excusez pour les... Voilà. Bon, maintenant on allume. Ah. Allez, c'est parti. Déjà, vous voyez. 6S. Les roues tremblent un peu, hein. Non. Même pas à moitié le truc, c'est un bordel. C'est un bordel. A bad boy, man. Wouhou, wouhou. 16:48, hein. Et là, je suis qu'à moitié, j'appuie même pas là. Il pourrait pas accélérer bien comme il faut là. Non, là c'est possible d'accélérer. J'accélère, c'est la cata. 16:48. J'ai qu'un pignon de 16. Bon là il faudra, pour les 160, il faudra régler ce problème de Willy là, parce que c'est pas bon. Et voilà, c'est le que je redoutais est arrivé. Voilà, ce que je voulais pas qu'il arrive, arrivera. Trop de puissance, voilà, user les clous de carreau là. Le truc c'est que je peux pas accélérer. Là c'est que du moitié gaz, du 50%. Ah, faut accélérer progressivement. Et après, j'ai déjà fait toute la longueur. Ah. Bad boy a pris quelque chose. Ah, c'est du fil de coton là. Je croyais que les pneus avaient défilé. Ah non, pas le Jecto. Jecto, man. Non, 6S c'est puissant, les amis. Là j'appuie progressivement, mais pas à fond, hein, je suis pas à fond. Ah, coupure vario, je pense. Il demande beaucoup là. On entend déjà le ventilateur qui fonctionne. Voilà. Ah, quand c'est comme ça,
Parce que là, il fait très chaud, là. Regardez ça. Regardez-moi cette beauté, là. Un peu le vario, un peu fait les barres. Hein. Voilà. Parce que le TP Power consomme beaucoup, hein. Ça consomme très, 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 très beaucoup. Voilà les amis, c'était le test en jecto. Bon, on a pris une gamelle, mais c'était sûr qu'on avait pris une gamelle, hein. Voilà, parce que ça là, j'ai équipé comme ça, c'est pour faire du speed, ok. L'objectif, c'est d'atteindre les 160 avec ça, ok. Et je pense qu'ils vont le faire. Voilà, que ces roues sont bonnes. Je pense peut-être investir dans les supersoniques aussi. Voilà, voilà les amis. On va le grader avec un bon vario. Je pense aller sur un maxis dessus, voilà. Parce que là, ce petit vario là ne fait pas le point, hein. Voilà. Après la coupure est vraiment très très élevée. C'est là tout est stock sur ce vario, hein. Voilà, on va investir dans un maxis pour lui. Voilà, je pense que ça fera l'affaire avec le TP Power. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à plus pour que le Bad Boy atteigne les 160 km/h.